Oya to sur la moi ma soro moko ya de pigmentation choko to benga choko parce que du coup moi j'ai vu pas mal de gens na mona batebele basaka mwindo nga kuna za ten moko ya chocolat kitoko. Moi j'ai vu des gens na bané wana, j'ai vu des gens, j'ai vu Weranson, j'ai vu Jibem Piana noir. Jibem Piana que vous voyez, je le vis noir, noir. Nga na pembe makasi ko lekay. Na za chocolat makasi ko lekay. Moi j'ai vu Jibem Piana Jean Bedel Chituka. Noir, noir de peau. À l'époque, Bate Belé, King Kester Remenea. Nabane Komona et Nalopangwa, Papa Wemba, Ngaï, Namuna Obete Rabino Masoro. Moi je vis King Kester Emenea, Nalopango, Yaba Papa Wemba. Parce que Bissot, Tobano, que nous obéta ping pong kuna, Naba cousin à Papa Wemba. Tu vois? Namuna, King Kester Emenea, noir de peau, Mwendo Yalikala. Et à un moment donné, il y a un des connaisseurs jolis mobiles là-bas qui ont un métier. J'ai bien pianaco, un métier. Mais t'es clair, il y a un métissage. Mutu mwindo a la t'es clair. Aux autres, combo t'es mutu mwindo. Noir, noir de peau. N'a évité complexe en ouais, zakanine. Mais, boué baké, quand vous dépigmentez votre peau, ou vous frottez, il y a. Notre peau est composée de deux couches. La peau que nous portons. Parce que c'est la partie la plus balèze de notre corps, c'est la peau. Parce que la peau, c'est du haut en bas. Vous comprenez? La partie la plus balèze de notre corps, c'est la peau. Alors, la peau, notre peau à nous, a deux couches. Il y a le derme et l'épiderme. Mais entre le derme et l'épiderme, il existe une substance qu'on appelle la mélanine. La mélanine, ils ont rappelé la mindele, mais en petite quantité. Mais en grande dose, ils ont ramené la batou mwendo. Mélanine, il y a un moutou, et ça, la production, il y a peau na biso, et ça, la couleur qui toko, il y a mwendo. Parce qu'ils ont absorbé la lumière pour na créer vitamine D et pour na embellir pour son abisso. C'est hyper important. Alors, quand vous utilisez. Des crèmes cosmétiques ou ezana n'est-ce par exemple aceline ezana hydroquinone yango ezako combattre né mélanine wana autant que mélanine et ko disparaître poso ezali susu et ko capter vitamine D alors et ko ya ko produire yo maintenant poso clair alors à ce moment-là tu te dis ah maintenant je suis belle je suis beau et maintenant parce que ma peau voilà j'étais noir maintenant je deviens jaune. Qu'est-ce qui se passait réellement? Je vais vous relater une histoire. Cette histoire de dépigmentation de peau a commencé vers des années 60. C'était en Angleterre. Il y avait une société qu'on appelle Kodak. Kodak et Bandeko Sala. Et Bandeko fabriquait pareil. Il y a photo. Puis Bandeko Sala. Et Bandeko fabriquait une liquide qu'on appelle l'hydroquinone pour traiter la feuille photographique. Alors, à cette époque, c'était des Indiens noirs qui débarquaient en Angleterre pour travailler dans l'usine. Ok? Alors, les Indiens qui ont été dans la Katia Izu, tant qu'ils ont été dans la feuille photographique, dans la Katia liquide, ils ont été dans la boue et ils ont été dans la tête. Oh, mais il y a des liquides qui ont été dans la boue. Alors, bango babani ko soba liquide wana, babani ko memango na ndaku, bazako pakola na elongi, babani ko tela. Et c'est par là. Des grandes sociétés cosmétiques, bah y'a qu'on récupérer en haut. Bah que na Inde, bah créer société à Liboso na Inde. Société on a bah benga kiango Gandour. Alors société on a et bah nico ça là bah produits cosmétiques pour na ko dépigmenter kaposo ya batou mwindo et comme appel. C'est à dire ils ont fait une arme pour tuer l'hydroquinone et la mélanine au Ezali en abondance na baposo mwindo pour na ko bébé sa poso ya batou mwindo. Et vous savez que quand vous tuez votre peau, vous devenez aussi idiot. Parce qu'il y a une partie de l'intelligence qui sort de notre peau. Et il y a une partie de l'intelligence qui sort de notre cerveau. Et il y a une partie de l'intelligence qui sort de notre odorat. Et il y a une partie d'intelligence qui sort de nos yeux. Il faut boyer ba chaque partie en zoto. Et dégageaka une énergie subie d'une intelligence. Alors, lorsque vous tuez la mélanine, automatiquement, peut aussi comme azoba. Parce que tu ne comprendras pas pourquoi nous avons salué au mwindo
yozoko ma pembe. Alors, quand ils ont créé la société Gandour, babani ko sala ba produit wana. Ba produit wana bani ko marché na Inde. Ba bino il faut que ni nango vraiment sikoyo bisika batu mwindo bazalaka. C'est aux États-Unis et l'Afrique. Alors en Afrique ba ponaki pays moko qui est frontalier avec la RDC, c'est la Zambie. Bisika ba ekotia première usine Gandour pour la fabrication il y a ba produit cosmétique. Alors bah écoute ça la produit à Liboso bah baptisant au combo Zambie. L'ancien président à l'époque a dit ah non bah produit yo ils ont bébé ça pour ce bateau bon oui côté combo ya mbokate ils ont payé ça mabé ils ont dit bon le quoi la bateau déjà bah mais ça n'a qu'un combo yo donc on l'a gagné lettre Z pour tout ce kango Zambie et voilà là où tout a commencé et pays à Liboso bah produit à Négocota c'est les Zaïre ma produit bani kokota. Moi je m'en souviens n'époque sokozali mwindo ozaki tokote sokoza mwindo ozaki tokote ça dit heureusement que ezalaki concerné na ba génité ezalaki concerné na mikolo ba gène ba bané ko dépigmenté pour sauter puis autant tozo kola tozo pa kola mafuta moko bazo benga clair. Ils ont une crème qui est à Paris, crème claire. Ils ont dessiné les longues mondes. Ils ont une hydroquinone, ils ont une odeur. Ils ont une odeur. Ils ont une foutre en tsunga. C'est comme ça, ils ont une odeur. C'est-à-dire, ceux qui ont une foutre en tsunga, ils ont une foutre en tsunga. Ils ont une foutre en tsunga. Ils ont une foutre claire. Ils ont évité ceux qui ont une foutre en tsunga. Ils ont une foutre. Vous comprenez, ma foutre en tsunga est en France. Maintenant, on a une France, on a une foutre. Et je me pose des questions, est-ce que les Indiens ont été mutuellement fabriqués par ma foutre wana? Alors, qu'est-ce que les Indiens ont fait? Nancy, la belle wana ya Gandour et bané kokotia pays à fabrication te yaba produit na bango. Vous allez voir sur le produit, il y a marqué Paris, London, New York. Bané kokomate que produit ou fabriqué na tel pays, na société d'unité. Bané kokoma Paris, London, New York. Vous voyez, c'est-à-dire c'était pour embrouiller les gens, voyez ma provenance, il y a produit wanaté. Il y avait des produits comme Dear Here, et ils allaient le Monsieur Dame, n'importe quoi, na anglais babane ko à Brooklyn à l'époque, ils allaient le rôle Monsieur et Dame, c'est-à-dire le produit est fait pour Monsieur et Dame, donc ils allaient produit moko mixte. Basi pe mi bali ba koyi ko utiliser ngo biso to bane lo ko atoba ki anglais te to bane ko benga produit ngo de yar yar, vous comprenez, donc de yar yar mais c'était dur and dur, donc produit ngo ezala ki bon ana ezaki produit ali boso. Après ils ont venu avec mekako bato banoka ezali kombo moko ya Lingala, non ezali kombo ya Kibemba, c'est à dire na langue zambienne Kibemba. Mekako n'a jamais été un nom ya Lingala ni ya Chiluba. Vous comprenez? Et bayaki na mekako, bayaki susu na savon nini. J'ai oublié, ma blog wana nyoso, ça fait un bail. Hein? Ça fait un bail. Mais savon wana mekako wana, c'est fabriqué à base de quoi? C'est à base de soude caustique. Savon mekako, c'est à base de soude caustique. Zwa kaka mousse nango. Mousse ya mekako. Bwa ke lango ba kafar ba mpese to ba verre de terre michopi eko kata bango lokola gilette. Et pour vous dire que c'est très dangereux pour la peau, très dangereux pour la peau. Et d'ailleurs bwa ko mona na législative, dans législation française to na juridiction française, ba produit nyo soit ezali prohibé, c'est-à-dire ba eza interdit ba pekisa yango kota kate na France. Pour vous dire que ce sont des produits très dangereux. Alors, ba produit wana tango baniko tia yango et détruire mélanine na yo ya nzoto et affaiblir ba anticorps ya poso na yo, parce que poso ezana ba cellule moko ba bengaka ba cellule inerte to ba cellule morte ezana kati ya poso na biso, ezana ba cellule moko qui ne sont pas vivantes mais qui vivent ko tel que manzaka na biso suki na biso suki soki okati oko capacité. Mais kola ganengeni. Donc ils ont mystère moko ya Nzambe subi d'une bénédiction au Nzambe atia biso.
Vous savez, à l'époque, tozo katasuki mogo boye na Congo, tozo ben ngango ra. Ça dit, il faut tout enlever, ba sali au ba coin, oh, ba traçage wana. Toi, bakati na souki te. Après, toi, yo ka sou ba discours ya ba mindele, oh, vous avez des cheveux crépus, oh, ba souki na bino eza mabe. Donc, on s'intéressait même pas na souki. Mais moi, j'ai vu l'importance du cheveu crépus, tant au vieux, yo na nou ba ben ka kofi olomide. Aketia ba poil ya soki ya nyamane soki ya mpunda na mutu na ye bisika wana na ekolo ba pa vyoyo akomi kitoko boye tala kofi akomi kitoko ati ba poil ya mpunda na mutu na ye nzoka soki ezala ka boye eh les gars moi j'ai laissé mes cheveux depuis na mona ki kofi lo mida aketia ba poil ya mpunda na mutu na ye j'ai laissé mes cheveux. Au moment tangu balobaka bate bolumisanga au moment tangu balobaka bake ko greffer yo souk, c'est-à-dire greffe de cheveux. C'est quoi le greffe de cheveux? C'est-à-dire yo ozana soukité. Tu comprends? T'as pas de cheveux sur ta tête. Alors basali appelle na mutu moko ozana souki. Bakatiye souki wana. Tangu bakatiye souki wana na tondezi moko ezali spécial. Tondezi wana tanga ezo kata souki, eza ko récupérer quelques cellules inertes ya souki, misisa ya souki. Après babandi ko kunda yo yango ndenge to kunda ka pelouse souki ya mutu wana, babandi ko kunda misisa nango na ba racine nango, babandi ko kunda yo li dusu moko moko por cellulaire moko moko ya mutu, babandi ko kunda yo. Après balatisi yo eloko moko et qu'on crée humidité na mutu na yo pendant 6 à 7 jours. Après tango kolongola ngo suki wana sikoyo lokole zalaki na misisa e bandi ko bota na mutu na yo yango babenga ka greffe de cheveux. Donc oyo ko fia salaki ezali juste babenga ka plantation de cheveux. Ça dit batio yo col après bakamati cheveux batio na mutu na yo. Alors ce qui est de dommage na oyo ko fia salaki parce que ta tête ne respire pas. Pourquoi loana ezio mutu nyonso ba por na yo ma dusu na yo ya mitu eza ko respirer te eza ndenge moko pe na basi balata ka perique. Et quand vous portez le perique, votre tête ne respire plus. Yango ezo sala cause ya ko kata yo basuki ko longolo ko tu suki yo sala ki na ngoli boso mwa ndambo wana mbote mama Christine. C'est hyper important. Donc de pigmentation ya poso ezali ignorance eza ko zanga ko yeba. Et mukolo okwa ko beba poso ndoko akoyeba poso yo talo na ngweza la ka combien. Il y a aucun chirurgien au monde na yebisibilo, aucun médecin du monde soigne la peau noire. Exact, poso soko bebisi esili na yo, c'est une peau unique. Soki o bebisi a ngweza na moto akobongisa yo te yango mona ka batunyo so babela cancer na matama ti lelo bakoka kolongola bango ngo te. Il y a personne. Médecine mon côté avancé et traité ka poso mwindo. Exacte. C'est pour cela que mon mafuta o ya biso bato mwindo to pakolaka. Ezaka mafuta ya mindele te. Mais moi je me souviens quand tant on a yegi na poto na komi ko pakola mafuta ya chair ya ba mindele. Oh, ndenge zo bebi sanga ali kamwa. Oh, mais il faut na zonga na ba huile d'argan na biso to pakolaka ya Afrique. Tant on a zongeli kaka ba huile d'argan na mon poso ba niko bonga. Poso nange baniko bonga na komi hydraté na komi bien poso komi bien na oh, donc ma mafuta mindelo yo c'est pas conçu pour nous mais non donc ceux qui sont bébé si poso ndeko nanga yebaka ke ezana monganga moko te akobongisela poso anzoto poso ya mutu mwindo. Moi j'ai connu Jibem Piana très 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 longtemps, il y a 30 ans passé, il était noir de peau lokola nengo monaka suki ya mutu nenge zalaka Jibem Piana. Mais ayeko zo ba piquir comme on injectait à Michael Jackson. Parce que problème à Michael Jackson, ezalaki que quand tu fais bien ta musique, mais nous on peut pas t'aider parce que t'es noir. Vous comprenez le problème à Michael Jackson? Parce que batuming ba kondana kaye. Michael Jackson s'est dépigmenté à pakola ba produit pa koma pembe. Et yango pe memaki na cause ya liwa parce que il ne respirait plus, sa peau ne respirait plus. Azaki na besoin ya sommeil, azo zo ba pongite. Et singela ki ba pika kai tonga à chaque fois pour ala la pongi et dose ya makasi ya tonga wana ya ngonde et memaki ena liwa.
Et Michael Jackson, même les